Ce livre, je l'ai intitulé tout simplement Une femme du Sahel. Parce que nous sommes dans une situation où il n'a jamais été autant question de cette partie du monde. Même du temps des grandes sécheresses, il y a eu de grandes mobilisations. Mais depuis 2013, à la faveur de l'occupation du nord du Mali et suivi de l'intervention militaire française, et le Mali est devenu un enjeu de politique, je dirais, franco-européen et international. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai dans La gloire des imposteurs avec Boris Boubacar Diop. Et nous déplorons le fait que cette histoire soit écrite par d'autres. Donc, encore une fois, je reviens à la charge, mais cette fois-ci d'un point de vue de femme. Et en tant que femme malienne, sahélienne, vue d'ici, quel est le bilan que moi je fais de ces 5 années de guerre contre le terrorisme. Donc, grosso modo, je pars d'ailleurs d'une interpellation de la ministre Zuma lorsqu'elle était à l'Union africaine. C'est elle qui a dit que le combat des Maliennes est le combat de toutes les femmes africaines et que si nous gagnons cette lutte, ce sera un symbole fort en tant que femme et panafricaniste. Donc, il est de la plus grande importance, de mon point de vue, que les Africaines sachent que nous sommes piégés par un double langage. Vous avez tout le monde entend parler de femme, paix et sécurité, la résolution 1325. Et les Nations Unies tiennent, et tous les partenaires techniques et financiers y tiennent. Mais dans la pratique, moi j'ai compris que l'heure est à la militarisation des relations bilatérales, multilatérales, internationales, et que à partir du moment où la solution devient militaire, il y a nécessairement violence faite aux femmes. Et il ne faut pas le perdre de vue. Et une autre dimension, un autre message important du livre traite de la question de la fécondité des Africaines. Je crois qu'il ne nous a jamais été clairement notifié, comme cela a été récemment, par une personnalité politique de haut rang, que la croissance démographique de l'Afrique est une menace liée au fait donc, que nous, les Africains, faisons trop d'enfants, beaucoup d'enfants, et qu'à partir de ce moment, tous les milliards du monde ne pourront pas stabiliser le continent. Et c'est extrêmement important parce que ce n'est pas sans conséquence sur les politiques de coopération. Mais quelles conséquences? Et c'est pour ça que j'ai consacré un chapitre au fait que je l'ai intitulé « Noire, enceinte et dangereuse ». Qu'on le veuille ou non, malheureusement, dans l'imaginaire populaire et politique et de l'Occident aujourd'hui, nous ne sommes pas une solution à nos maux. Nous sommes devenus, à notre insu, une menace. Au même titre que l'émigration dite économique, au même titre que le djihadisme, et il est envisagé de gérer cette dimension de la déstabilisation, ce qu'ils appellent la déstabilisation du continent et les menaces pour eux, les menaces qui viennent du sud. Parce qu'il y a des menaces qui viennent d'ailleurs, ils ont Trump, ils ont Poutine, ils ont Erdogan, et les menaces, parmi les menaces qui viennent du sud, il y a les flux migratoires. Qui dit flux migratoire pour eux, c'est dit démographie, et qui dit démographie dit femmes.
Donc, le dernier sommet, lors du dernier sommet des pays les plus riches de la planète, le G7, à Charlevoix, au Canada, ils ont annoncé près de 4 milliards de dollars à investir dans l'éducation des filles, l'éducation des filles et des femmes. Alors, dans le même contexte, il y a 8, 10, des milliards, d'autres milliards de dollars qui seront consacrés à la chasse à l'homme. À la chasse à l'homme, et personne ne s'y trompe. Quand vous regardez les images, on voit parfaitement qu'il s'agit là aussi des subsahariens. Le contrôle des flux migratoires aujourd'hui est au cœur de la crise existentielle de l'Europe, qui croit qu'elle est en difficulté du fait de l'immigration. En fait, ils sont parvenus à faire peur à leurs propres opinions en déplaçant le problème. Ce n'est pas l'échec du développement. L'échec de leur modèle de développement n'est pas le problème. Mais ce sont les conséquences, c'est-à-dire le chômage, la pauvreté, les conflits qui poussent les gens à partir. Ils traitent les conséquences, mais se refusent de s'interroger. Mais pourquoi, après 5 décennies d'aide au développement, nous en sommes là? Non, moi, je ne pense pas que... Je suis en train de dire au contraire que si le développement avait tenu ses promesses, on n'en serait pas là. Hein, je crois que personne n'aurait eu besoin de partir, et même ceux qui sont partis reviendraient. Donc pour moi, le nœud du problème, c'est le modèle économique. Quand vous parlez de développement comme ça, globalement, ils font exprès. Quand ils disent il faut injecter davantage d'argent, il faut davantage d'investissement, davantage de développement. Mais c'est eux qui viendront le faire à notre place. Parce qu'ils n'entendent pas que nous puissions penser librement, choisir librement et imprimer au développement du continent et la direction que nous voulons. C'est pour ça que dans le manifeste que nous avons publié récemment, intitulé « Demain le Mali », le sous-titre c'est « Sur la natte des autres, l'insécurité est structurelle ». À partir du moment où vous ne reconnaissez pas à un peuple le droit de penser, hein, de choisir, de décider, et c'est ce que le professeur Joseph Kizerbo disait, et dormir sur la natte des autres. À partir de ce moment, l'insécurité est structurelle quand vous ne décidez pas par vous-même. Et malheureusement, on n'en a pas fini. Nous sommes la plus proche voisine de l'Europe, son arrière-cour, dont elle a cruellement besoin des ressources pour la croissance et l'emploi. Donc les maux auxquels nous sommes confrontés ici sont les mêmes, mais ces dirigeants voudraient trouver des réponses à leurs difficultés ici, et en fermant les yeux sur le fait que les mêmes paradigmes économiques et politiques ont créé les mêmes problèmes ici. Et comme on n'est pas entre égaux, on peut se permettre de dire aux Africains, on en est là parce que l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire, l'homme noir ne peut pas protéger ses frontières. Et alors, je m'excuse, fait trop d'enfants. Donc, il faut de la fermeté. On est entré dans une phase de l'histoire de nos relations où il faut faire preuve de fermeté, je dirais même de virilité. Et je compare ces poignées de main entre Trump et Macron. Et qui en fait c'est un symbole à l'endroit de leurs propres opinions, mais aussi on se veut fort par ces temps-ci, et fort veut dire aussi l'être militairement. Donc pour me résumer, je me dis que néolibéralisme, militarisme et masculinisme vont ensemble. On montre du muscle, on attaque. Et ensuite, on crie au loup,
Parce que le Mali n'était pas une menace pour la France. On ne l'a pas attaqué. Elle a cru devoir intervenir militairement aujourd'hui sous prétexte que la menace part d'ici. Mais et ceux qui ont tué ceux qui ont commis les crimes à Charlie Hebdo et au Bataclan ne sont pas partis du Mali, ni d'un autre pays du Sahel. C'est-à-dire qu'ils ont créé leurs propres problèmes. Les banlieues, quelque part, je dis aussi que nous sommes les lointaines banlieues. Vous retrouvez ici les mêmes mots qu'ils déplorent. Et seulement, il n'est pas question d'admettre qu'il y a un problème avec un modèle économique de pillage et de domination.